Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre et une bonne rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro et puis vous dire aussi qui s'affiche, parce que sinon c'est très répétitif à dire, donc... C'est écrit et puis vous dire qu'il y a un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour les sujets qui vous intéressent. Le général, ensuite viendra le sentimental et puis on ira tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Et maintenant nous allons pouvoir y aller mes amis cancer pour ce mois d'octobre. On est parti, on retrousse ses manches et on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, ami cancer. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Trois de bâtons, après des grands directions de vie, on va dire, des grandes trajectoires, en suivant peut-être un petit peu plus ce qui vous semblait juste, ou des décisions qui semblaient vous impacter, qui semblaient pouvoir vous impacter sur la suite. Des désengagements, on fait un petit pas en arrière pour revenir un pas en avant. L'idée, c'était de commencer à se projeter un petit peu plus sur une suite. Une grande incertitude cependant avec une 3 de bâton sur le fait de sceller des engagements, la manière dont les choses arriveraient, comment ou quand, comment, voilà. Petite incertitude là-dessus, mais ça ne vous a pas empêché de commencer à poser des jalons, d'aller commencer à mettre des petites choses en place avec une projection quand même pour certains positifs. On peut parler d'un lien qui a été très fort et qui se développe petit à petit, ou d'une direction à prendre qui vous semble de plus en plus en cohérence avec vous-même, mais qui prend du temps quand même pour au niveau du résultat. Vous avez commencé à faire des projets. On va aller voir tout ça, votre énergie sur ce mois d'octobre. Ami cancer. Des bâtons, là, ça s'accélère. On voit aussi pour certains que vous espérez quand même que les choses s'améliorent, peut-être. Sur un sujet en particulier, il y a quand même l'espoir, la bonne volonté que les choses s'améliorent, mais quand, comment, un petit incertitude. 8 de bâton, alors vous aurez toujours cette incertitude hein, de base, puisque la 8 de bâton, c'est un effet de surprise. Vraiment, on vous monte sur une vague et où vous allez atterrir, surprise. C'est pour ça qu'il n'y a aucun personnage sur la 8 de bâton. Généralement, elle n'exprime que l'inattendu, des situations qui sont de toute façon pas forcément à votre rythme, là non plus. Là non plus, si vous attendez des choses et que ça n'arrive pas forcément tout de suite, il y a encore là une gestion du temps qui n'est pas forcément en accord avec vous. On a quand même l'idée que vous pourriez avoir de bonnes surprises avec la 9 de coupe et l'étoile. On sent qu'il y a quand même une accélération, il peut y avoir des opportunités, des communications qui sont beaucoup plus fluides. Aussi, des choses qui peuvent faire sens, des cadeaux qui peuvent arriver, insoupçonnés, inattendus, pas là où vous l'attendiez non plus. On va aller voir, ami cancer, votre énergie aidante. Le monde, le diable. Bon, il y a quand même, on va dire, de bonnes surprises qui vous attendent, majoritairement. Alors, vous êtes sur une fin de cycle, c'est assez accompli. Il y a quelque chose qui s'accomplit,
peut-être plus vite que vous ne l'aviez au bout d'un moment espéré finalement, avec un effet de surprise. Il y a l'idée que quelque chose vous intéresse tellement que vous êtes prêt à possiblement tenter l'aventure, tenter de clôturer pour partir sur un nouveau cycle, autre chose. L'histoire d'un lien, d'un fonctionnement, d'un attachement, d'obligation par rapport à ça touche à sa fin aussi. Ou la façon dont vous vous considérez devoir quelque chose à quelqu'un, à quelque chose, à la vie, au quotidien, à votre travail, à quoi qui vous rattache, qui vous oblige et qui vous désoblige. Là, on voit que vous pouvez avoir la chance d'arriver à vos fins. On va aller voir votre énergie basse sur ce mois d'octobre, ami Cancer. Bah oui. Alors, là, en fait, ami Cancer, on a un peu ce qu'on pourrait appeler le pouvoir d'attraction et ce qu'on est surpris d'avoir attiré à soi. Parfois, on est peut-être même un peu à repousser un petit peu ce qu'on a voulu tellement attirer à soi, parce que c'est surprenant que ça arrive de cette façon-là, à ce moment-là, avec cette personne-là ou avec ce travail-là, voilà, quoi qu'il en soit. Alors, ce qui vous aide, cependant, c'est que quelque chose s'accomplisse et que ça, vous en tiriez une satisfaction suffisante pour ensuite pouvoir passer à autre chose. Ce qui est compliqué pour certains cancers, c'est que vous auriez peut-être pour certains tendance à vouloir retenter votre chance. Parce que le jugement, c'est une notion de seconde chance. Si quelque chose doit se faire, ça se fait. Et puis, si vous devez peut-être aller de l'avant, ça serait intéressant quand même d'aller de l'avant. Vous pourriez être un petit peu étonné que les choses se passent aussi rapidement, qu'il y ait des révélations aussi fulgurantes, que les annonces soient aussi étonnantes, impressionnantes, qu'on vous pose un gros paquet sur le pas de votre porte et que ce soit à peu près tout ce que vous avez décidé que ça serait. Voilà, il y a un côté effet de surprise qui n'est pas forcément quelque chose qui est facilement gérable pour vous. L'idée aussi d'une seconde chance qu'il va falloir essayer de réfléchir sérieusement sur est-ce que ça a un intérêt de revenir sur une seconde chance ou est-ce que je ne dois pas plutôt aller de l'avant. Il y a quand même l'idée d'une notion d'apprentissage par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer, As de coupe. Bah oui, ça vous angoisse, ça c'est sûr. Ah, j'en ai toutes mes cartes retournées, dis donc. Alors, ben, on vous monte sur une vague et il y a quand même un nouveau départ, une nouvelle source de vie, quelque chose qui vous réactive. C'était pas prévu, ça se passait, c'était surprenant. Les choses sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraissait. Ça peut vous angoisser. Bon, alors ça, c'est embêtant. Mais c'est vrai que ce n'est que des projections négatives. En fait, à force de projeter des choses, on ne les vit pas. Là, on vous dit, vivez simplement les choses et puis vous allez voir que ça va bien se passer. Vous avez besoin, envie de créer du neuf dans votre vie. Il y a potentiellement de quoi. L'univers vous envoie ce que vous avez demandé. Pourquoi ça vous angoisse? Telle est la question. On va aller voir matériellement, concrètement. Bon, ça vous angoisse gentiment, je pense, hein. Matériellement, concrètement, ami Cancer,
vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'octobre. De denier, roi de coupe. Bon, ben, de la patience, de l'attente. On a fait des plans, on a préparé, on a mis des choses en place. C'est un peu comme si vous aviez vraiment passé énormément de temps à travailler sur un sujet avec toute l'attention, vraiment avec sérieux. Vous avez semé vos graines, vous avez arrosé quand il fallait, vous avez fait tout ce qu'il fallait, puis vous étiez bien mis dans l'idée que ça serait mûr quand ça serait mûr, la vie fera que ça portera quand même un jour ses fruits. Voilà, il y avait quand même une notion de rappel de confiance par rapport à ça, roi de coupe, prendre ses responsabilités, accepter que chaque chose vienne en temps et en heure, le bilan, faire le point, regarder vers le futur, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Avoir cette notion du temps qui passe dans cette maturité émotionnelle. Vous étiez bien là, en fait, dans ces énergies-là, quand tout à coup, sur le mois d'octobre, on va aller voir matériellement, concrètement. Un cancer. Neuf de coupe, hein. Et valet de denier. Alors, on a deux fois le valet de denier. Par rapport à l'apprentissage, l'éducation, les formations. Alors là, vous pourriez effectivement... il pourrait se passer quelque chose dans un cadre comme ça, par rapport à des formations, par rapport à un apprentissage, par un milieu scolaire, par rapport à vos enfants aussi. Vous pouvez être étonné, surpris de quelque chose. Bon, vous avez envie peut-être de faire quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir et vous avez vraiment envie de le mettre en place et l'univers va vous dire très bien, c'est parti, allons-y, et ça peut-être effectivement vous étonner. Parce qu'il n'y a pas de difficulté là. 9 de coupe, 8 de bâton, c'est peut-être étonnant, c'est peut-être surprenant, c'est peut-être pas prévu, c'est peut-être pas ce que vous aviez envisagé ici et maintenant, mais ça vous fait plaisir. Quelque chose qui vous fait plaisir. Tout est possible. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami cancer. Matériellement, concrètement. La force, l'impératrice. Oh là là, alors oui. Alors pour certains cancers, ce que vous n'aviez pas prévu, excusez-moi, ce que vous n'aviez pas prévu, c'est l'arrivée d'un enfant. Bon, mais comme tous les cancers ne vont pas forcément avoir l'arrivée d'un enfant, on a quand même l'idée qu'à la fin, vous avez quand même envie de contrôler un peu ce qui se passe. C'est-à-dire maîtriser vos angoisses par rapport à une situation, maîtriser, remettre un petit peu de contrôle. Parce que là, il n'y en a pas spécifiquement à la 8 de bâton. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est essayer de garder le rythme sur ce qui va vous tomber dessus quelque part, positif ou négatif. Après, ben, une fois qu'on est un petit peu redescendu de la vague, une fois qu'on sent que les choses commencent à se tasser un petit peu, que vous voyez à peu près où vous en êtes, où vous êtes et avec qui vous êtes et ce que vous pouvez faire à partir de là, il y a l'idée de reprendre un petit peu le contrôle sur la situation. On est possiblement pour certains avec l'impératrice sur des projets qui peuvent aller vite, là tout à coup, projets professionnels aussi. Il y a l'idée d'inspirer des choses, d'être créatif. On a des énergies féminines très puissantes. On va aller voir émotionnellement ami cancer. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois d'octobre.
Cavalier de coupe, 10 de deniers. Ben oui, franchement, vous, c'est bien. Les cancers, je ne peux pas vous dire grand-chose. Ça se passe plutôt pas mal. C'est pas forcément comme ça que vous l'aviez envisagé, mais ça se passe plutôt bien. Cavalier de coupe, 10 de deniers. On est plutôt 9 de coupe. On est plutôt idéaliste. On fait des choses qu'il faut pour aller de l'avant. On porte quand même son grand cœur dans une histoire où quelqu'un avec sur un passif très loin, dans ce cas-là avec une 10 de deniers, c'est quelqu'un qui est dans un environnement extrêmement solide, extrêmement construit, un clan, qui peut être un clan professionnel, qui peut être dans un clan amical extrêmement construit, dans une histoire construite sur du très long terme. Mais l'idée générale, c'est que quoi qu'il se passe sur qui vient à vous ou vous qui veniez à quelqu'un, il y a une énorme bonne volonté à aller de l'avant positivement, à y mettre tout son cœur. Il peut y avoir des déplacements que vous envisagiez intéressants, que vous commencez à programmer aussi. On va aller voir une avancée, quelque chose. Vous savez qu'il va se passer quelque chose, vous ne savez pas à quoi vraiment ça va ressembler, vous ne savez pas quand ça va arriver, mais vous êtes prêt à y aller. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre. Oh, 3 de coupe. Le soleil. Bon, ça va aller. C'est un très bon mois pour vous. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Toute votre carte du ciel n'est pas en cancer. Mais enfin, c'est quand même l'énergie qui peut remonter les autres facettes de votre thème astrologique quand même sur ce mois d'octobre ami cancer. Il y a de la joie, du plaisir, des moments ensemble. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur ce mois d'octobre. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace, c'est étonnant, mais ça fonctionne aussi bien. Les communications sont bonnes, l'énergie est là. Bon, il y a un moment créatif, il y a un moment à fêter, un moment joyeux, une mise en lumière relationnel. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement ami cancer. De deniers, ben oui. Et le jugement, et on va faire avec. C'est vrai que ça serait bête de faire autrement. Eh bien, vous allez avancer au jour le jour par rapport à ça. Alors, effectivement, c'est étonnant. Donc, il va falloir faire avec la vie. C'est pas le mot qui m'est venu, c'est précaire. C'est-à-dire que comme ça vous tombe, c'est un peu là comme ça. Il va falloir gérer au quotidien, un jour après l'autre, un événement après l'autre, ce qui va se passer en essayant de rien faire tomber. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau que vous êtes capable, totalement capable d'intégrer dans votre vie, qui vous apporte de la satisfaction. Là encore, une certaine fragilité, on est quand même sur un as, mais on a vraiment envie que ça fonctionne, de garder la maîtrise de cette situation pour l'amener plus loin, et on est capable puisqu'on peut le matérialiser. C'est quelque chose qui vous redynamise vraiment avec le jugement et en plus avec le cavalier d'épée. Ça peut être assez rapide. Vraiment, il y a cette notion de... Ça arrive peut-être plus vite que prévu, ça arrive peut-être plus facilement que prévu aussi. Vous n'étiez pas préparé totalement, il vous manquait des choses, des affaires, vous avez l'impression que c'est trop facile, c'est trop rapide. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ami cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Cavalier de bâton, pourtant ça galope à l'intérieur, vous êtes à fond les ballons. Mais c'est très intériorisé. Mais il y a vraiment de base une volonté d'avancer, de l'énergie qui revient, qui a envie de revenir. Alors après, ça fonctionne par à-coup. Vous avez peut-être eu des grandes avancées, puis après plus rien, puis des grandes avancées, puis après plus rien, dans une démarche intérieure, des énergies qui fonctionnent un petit peu par à-coup, par impulsivité. Mais vraiment l'envie que les choses se mettent en place, avance. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'octobre. L'impératrice, évidemment, roi d'épée.
Alors, encore une fois, ce pouvoir créateur, alors ce pouvoir maternel, hein, pour ceux qui ont un rapport ou un lien à la féminité et à la mère, le pouvoir créateur, le pouvoir de créer sa propre abondance, d'être dans le positif. Alors vous, ou quelqu'un qui vous nourrit de cette énergie-là, roi d'épée, il y a quand même un gros désir de mettre des choses en place. On est quand même dans des énergies de roi, de deck. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami cancer. Six de bâton. Allez, c'est parti. Victoire, réussite, on est bon, on est fier, on regarde ça, on se dit que vraiment c'est une période géniale. C'est vrai. Vous êtes vraiment content, je pense, à la fin de ce parcours. Il y a la sensation d'avoir réussi quelque chose, d'en être fier, de le montrer aux autres, de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes, ce que vous avez réussi à faire. Votre ego, il peut être vraiment remonté à bloc. C'est assez positif. On va pas faire un long tirage, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On a un très bon mois pour vous, amis cancer. On va aller voir le conseil, pardon. Un conseil. Amis cancer. Ben écoutez, suivez le mouvement parce que la maison Dieu, c'est une vraie cassure de rythme. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va vous étonner, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Laissez-vous surprendre, accompagnez le mouvement, suivez votre corps plutôt que votre raison. Un as de coupe, ça peut être dans tous les domaines. C'est un nouveau départ sur quelque chose en tout cas. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être dans une nouvelle source de vie. Vous sentez juste peut-être l'énergie revenir. Ça vous tombe un peu dessus. En fait, on vous dit qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut accueillir cette cassure de rythme. Et surtout, accompagner le mouvement. Suivez le flot. Suivez le vent. Suivez les courants d'air chaud avec les amoureux. Ce système des oies. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre boussole intérieure. Vous allez voir que ça va bien se passer. On va aller voir ami cancer émotionnellement. Alors on aura peut-être des subtilités parce que l'émotionnel ici rappelle qu'il faut aller voir son ascendant et son signe lunaire. Donc intéressez-vous-y et puis allez voir tout ça. Mais ici donc, cancer amoureusement, sentimentalement parlant pour ce mois. D'octobre, on va aller voir votre énergie générale, amoureusement, sentimentalement parlant, ami cancer. Cavalier de coupe, 3 de coupe. Bon, alors, ben, ça. On vous porte un idéal, on porte un idéal vers vous. Qui porte quoi? On ne sait pas, mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympathique. Il y a de la joie, il y a vraiment de l'énergie, il y a de l'envie, il y a de la légèreté, il y a des bons moments, il y a des déplacements importants. On va aller voir votre énergie aidante, ami cancer. Qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est tout ce que vous avez fait avant, c'est tout ce que vous avez. C'est l'investissement en fait qu'il y a eu. Alors pour certains, il y a un déplacement qui va être important parce que ça va vous apporter vraiment des choses extrêmement positives. Hein. Ça va vous faire le plus grand bien. Mais l'idée d'avancer vous fait le plus grand bien et surtout parce que le chemin, vous l'avez parcouru, cavalier de denier, il y a eu du travail derrière. Il y a du travail encore, il y en aura toujours, mais on sent que il y a du fond en fait. On sent qu'il y a du fond.
Même si c'est quelque chose de nouveau qui commence, on sent qu'il y a quand même du sérieux, que vous avez en face de vous des gens qui sont sérieux, que vous êtes sérieux, que tout ça est peut-être joyeux, positif, léger, mais que c'est un peu le côté. On regarde un artiste faire quelque chose et on trouve ça extrêmement facile, et c'est comme un danseur classique par exemple, c'est vraiment, ça a l'air si simple, et en fait c'est tout le travail, tout le parcours qu'il y a eu derrière. Ça c'est l'expérience, ça c'est le sérieux. En face de vous, vous avez des gens qui font peut-être un peu ça aussi, qui ne prennent pas les choses si à la légère que ça. On peut avoir une histoire du passé. On a la 6 de coupe, donc quelque chose qui fait que les choses, les histoires du passé peuvent revenir, ça peut être étonnant aussi. On parle du sérieux sur un chemin par rapport à des enfants, par rapport à un parcours. Quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps, qui a mis du temps à venir, du temps, voilà, et c'est cette notion de temps. Je sème, je projette des choses, je mets des choses en place, je sais que ça va porter ses fruits un jour, mais là, ça commence à porter ses fruits, bizarrement, peut-être, étonnamment. Ce qui vous aide, c'est peut-être un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, qui lui est sérieux également et qui avance, même si parfois vous avez eu l'impression qu'il n'avançait pas ou qu'elle n'avançait pas. On va aller voir, Maison Dieu, on va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va vous plomber un petit peu, mes amis cancers, sur ces énergies? Bah oui, alors, peut-être de trop réfléchir à la question. Vous pourriez vous limiter, ce serait vraiment, comme on dit, un peu dommage, parce que la 4 de coupe, c'est peut-être un moment où vous allez peut-être avoir tendance à trop réfléchir, à vous dire, bon, là, en fait, cette proposition, elle est incroyable, mais j'ai besoin de réfléchir. Cette personne, elle est incroyable, mais j'ai vraiment besoin de réfléchir. Cette envie, elle est folle, mais j'ai vraiment besoin de réfléchir. Et vous pourriez laisser passer le train. Ou ralentir encore plus le processus, en fait. Alors qu'on vous dit 8 de 8 de bâton, 2 de coupe, il faut y être, il faut être là, il faut être réactif. C'est pas, on vous dit que vous risquez pas grand-chose à vivre des choses ce mois d'octobre, hein. De toute façon, vous avez des énergies extrêmement positives. Vous craignez peut-être de ne pas avoir suffisamment à proposer, de ne pas avoir suffisamment à avancer dans une histoire, dans un projet, dans des nouvelles donnes dans votre vie. Mais là non plus, c'est peut-être plus une crainte qu'autre chose. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami cancer. Reine de bâton. Oh, six de bâton. Trois de coupe. Alors, le piège de ce tirage, c'est de vous dire que ça va vous tomber tout cuit et de revenir à la fin du mois d'octobre, vous dire, eh bien alors, il s'est rien passé. Non, non, non. C'est des énergies. Donc, il va falloir surfer sur la vague. Il va pas juste falloir attendre de se prendre la vague et de rien faire du tout. Reine de bâton, c'est vraiment le pouvoir d'attraction, ce que vous désirez vraiment, ce que vous voulez vraiment attirer à vous. Là, il y a moyen. C'est littéralement, vous avez souhaité quelque chose, c'est possible, c'est réalisable. Et donc là, bah, c'est le moment, on y va. 6 de bâton, on prend son pouvoir, on a envie de quelqu'un, on l'appelle, on a envie de lancer un nouveau projet, on appelle aussi. Voilà, on met des choses en place, on s'active pour obtenir ce qu'on désire et qui nous est tombé dessus quand même aussi. Parce qu'avec le jugement, on a repris de l'élan, on a repris une énergie, mais il faut en faire quelque chose après cette énergie-là. On peut avoir un signe de feu qui peut être important et qui peut vous donner l'élan, l'envie, le désir d'avancer aussi. Ça peut être un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Mais de manière générale, je pense qu'on est quand même plus sur le si je veux quelque chose, je vais mettre des choses en place parce que c'est là mon pouvoir sur ce mois d'octobre. On va aller voir trois cartes pour nos couples.
Cancer en couple pour ce mois d'octobre. Cancer en couple pour ce mois d'octobre 2024. On va y arriver. Reine d'épée, 5 d'épée. La force. Valet d'épée, valet de bâton. Eh bien, ici, on parle de courage, d'exigence, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'arriver à contrôler ce qui se passe, de reprendre le pouvoir. Et puis, surtout, de communiquer et d'y aller. Après, il faut lancer des choses quand même. On peut avoir une difficulté aussi au niveau des énergies entre deux personnes qui sont pas à un pied d'égalité au niveau des énergies. Reine d'épée. On est dans l'expérience, on est dans la lucidité, il y a des décisions à prendre, on est capable de sacrifier, on ne met pas forcément en avant ces décisions par rapport au cœur parce on veut être lucide et on a quand même une capacité à faire des choses. À côté, on a une énergie beaucoup plus immature, on va dire, beaucoup plus jeune en tout cas, qui elle a peut-être des idées. Des envies, qui a l'intelligence, qui a le côté aérien, le côté volatile des idées. C'est très intéressant d'être avec un valet d'épée parce que c'est quelqu'un qui lance des idées, des très belles idées même. Après, pour aller au bout, bon, ben, il faut bien une reine de denier. En fait, vous pourriez essayer de combiner ces énergies pour arriver à faire quelque chose finalement. Ensemble, l'un n'allant pas sans l'autre. Celui qui a les idées et celui qui, objectivement, a la lucidité et décide. Et ensemble, on peut arriver à faire quelque chose. On part peut-être sur un nouveau projet, une nouvelle façon de s'organiser. On va aller voir un peu là. La force, oui, la 7 de coupe et la 8 de coupe. Passer un cap. Ami Cancer en couple, le conseil. La force. Il faut structurer vos idées pour aller de l'avant, je pense. Il y a des angoisses, peut-être le temps un petit peu de réfléchir, la crainte par rapport aux échecs et aux difficultés. Bon, la force est centrale, garder l'un et l'autre, la lucidité, la psychorigidité quelque part dans une situation tout en gardant aussi ce côté rêveur et créatif. C'est possible, c'est réalisable. On va aller voir les cancers en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les cancers en amour flou. Sept de coupe. De denier. Le diable et l'as d'épée. Là, il y a un côté ça va tellement pas être possible. Et pourtant, c'est possible, mais c'est vrai que vous rencontrez des difficultés. Vous rencontrez une difficulté réelle et concrète qui vous semble possiblement insurmontable et qui vous fait quand même... Vous êtes dans un espace où vous rêvez énormément, vous fantasmez peut-être, vous êtes...
Ouais, dans un espèce de rêve fantasmagorique sur quelque chose, sur une relation, sur une personne, sur vos désirs, sur vos envies, sur ce qui vous plairait, sur ce qui vous irait, sur ce que vous avez envie. 5 de denier, au fond, vous avez la sensation que ça ne peut pas être possible, que vous n'avez pas de chance, que vous n'avez pas les moyens, que de toute façon, la situation fera que ça ne marchera pas. Vous pouvez aussi réaliser et comprendre, en travaillant ce pouvoir d'attraction, sur ce que vous voulez vraiment attirer à vous. Avec la 7 de coupe, il peut s'ouvrir en vous un champ des possibles, l'idée même d'un champ des possibles. Là, vous pourriez trouver une idée, une révélation, comprendre quelque chose sur le pourquoi, à partir de là, j'attire quand même toujours des choses qui me créent un creux plutôt qu'un plein dans ma vie. Bon, il y a des choses à réfléchir. Avec la ZP, il y a des choses à comprendre par rapport à ça. Peut-être traiter avec des culpabilités ou des échecs, des regrets sur une situation, voir pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas vraiment faire autrement? Est-ce que ce n'était pas aussi se complaire dans quelque chose qui, au fond, vous permettait de rester dans une espèce de rêverie, plutôt que de mettre en pratique dans la réalité? Est-ce que vous êtes confronté à quelqu'un qui fonctionne comme ça? Dans ce cas-là, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de voir comment vous positionner différemment? Parce que c'est pas extrêmement nourrissant quand même, c'est pas extrêmement positif. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez attirer à vous, puisque ce mois d'octobre, les vannes sont ouvertes en fait. On va aller voir le conseil. Ami Cancer, quel est le conseil sur ces énergies? Ben, si ça vous intéresse, allez-y. Ça, vous, votre problème, il va être là, hein. La 4 d'épée, la 4 de coupe. Si quelque chose vous intéresse, battez-vous pour l'avoir. Allez-y. Matérialisez. Vous êtes curieux, vous êtes enthousiaste, vous avez envie, ça vous donne envie, vous regardez ça un petit peu de côté. Cavalier d'épée, proposez quelque chose. Là, on vous demande d'y aller franchement, peut-être, hein, au bout d'un moment. Que les choses soient plus claires. On va aller voir les cancers célibataires. De coupe. Le magicien. La maison de Dieu. Alors vous. 10 de denier, méga clan, familial, professionnel, sociétal, tout est possible, tout est déstructurable, on va dire. Il y a un effet de. Vous avez toutes les cartes en main pour changer quelque chose. Donc, dans une énergie qui est très construite, très aboutie, très arrivée à son paroxysme, c'est l'extrême de quelque chose de construit, ou un héritage familial, le clan. Vous, dans ce clan, peut-être que quelqu'un ou qu'une situation va un petit peu rebattre toutes les cartes. Vous avez tous les moyens, toutes les cartes en main. Quelque chose peut se transformer littéralement et vous pouvez briser un système en fait, ami Cancer, si ça ne vous convient pas. C'est une occasion en or de briser un système. On va aller voir le conseil. Cancer, célibataire. Ben, oui, allez-y jusqu'au bout, hein. 10 d'épée, 7 d'épée, on avait la 7 d'épée ici aussi. Blessure, trahison,
des gens pas clairs, pas fiables, des vérités qui ne sont pas dites, des mensonges, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mettez la dernière épée, plantez le dernier clou sur le cercueil de cette histoire. Il y a vraiment moyen d'arriver à clôturer quelque chose et à accomplir, avoir la sensation d'accomplissement et de victoire. Si vous allez au bout d'un processus, vous avez toutes les cartes en main. On va aller voir. Oups là. La dernière carte, le dernier oracle de votre tirage. On dirait que les choses s'effondrent ici. Hop. Ce mois-ci, vous êtes ami cancer. Yazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Profitez-en et surtout actionnez-vous. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis cancer, et je vous dis à très vite.